Candice Pascal, le secret qu'elle cachait à ses collègues de TF1. Une histoire surprenante. Candice Pascal, une petite cachotière? Le magazine Grand Seigneur a mis la danseuse professionnelle de Danse avec les Stars, TF1, à l'honneur. L'occasion pour le public de faire une découverte des plus surprenantes à son sujet, elle est la première Française à avoir exporté du vin en Asie. Même à ses collègues de TF1, elle n'en a jamais parlé, assure le magazine. Il révèle ensuite que la gagnante de Danse avec les Stars 8, a été professeure de danse à Hong Kong, là où tout a commencé. Certains de mes élèves étaient dans la finance et ils cherchaient à investir, a déclaré Candice Pascal. L'importation du vin étant détaxée en 2008, elle a donc pris la décision de créer sa société Casa Wine, sans rien y connaître. Je m'occupais un peu de tout. De la com, du marketing, a confié la belle brune qui a tout fait pour s'imposer dans ce marché très fermé. Et elle a fini par y arriver. Mais, son métier de danseuse prenant de plus en plus d'ampleur avec Danse avec les Stars, l'ancienne partenaire d'Agustin Gagnana, a pris la décision de revendre ses parts. Aujourd'hui, je danse avec les vins, c'était la musique.